Bienvenue dans le top 12 international et très heureux de vous retrouver comme tous les week-ends sur la chaîne numéro 1, la chaîne des jeunes branchés chez PTV HD, avec les artistes de talent, avec vos clips en playlist. Franchement, c'est exceptionnel, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, on va recevoir cet artiste plein de talent. Il sert donc de pont entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Lui s'appelle Sam Tellis, il sera notre invité dans quelques instants. Et donc, bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire au mois d'octobre 2021. On est ensemble, mais l'actualité ici sur le sol parisien qu'il faut retenir, c'est le grand concert de Koffi Olomide qui est prévu pour le 27 novembre prochain. Franchement, c'est le concert le plus attendu ici sur la place de Paris, à U Arena. Ça sera le 27 novembre prochain. Mais Koffi Olomide et toute son équipe nous ont envoyé le spot publicitaire, donc qui annonce cet événement donc planétaire, cet événement mondial, et c'est la fierté du continent. On suit donc ce spot de Koffi Olomide pour son grand concert à U Arena ici en France, à Paris. La Défense est exceptionnelle. On suit le spot et on se retrouve juste après avec Sam Tellis, notre invité. À tout de suite. Ecosala les a déjà. On suivit rien que pour vous ce spot exceptionnel de Koffi Olomide qui sera en concert le 27 novembre prochain. Un concert attendu par tous les Africains, tous les Européens. C'est l'événement donc le 27 novembre prochain, date à retenir, à U Arena, à la Défense donc de Paris. Il sera là avec tout son quartier latin. Mais je rappelle que Koffi Olomide en ce moment, on séjourne ici à Paris. Je vous l'ai dit en début d'émission que ce sera notre invité. Il s'appelle Sam Tellis. C'est notre invité en exclusivité mondiale en octobre 2021. Bonsoir Sam Tellis, bienvenue dans le top 12 international. Bonsoir Sam Tellis. Bonsoir Chepi. On est très heureux de te retrouver dans le top 12 en interview. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était donc avant ton départ pour Kinshasa, pour ce trophée exceptionnel Poul Malebo. Donc tu as eu un prix, c'est exceptionnel, donc félicitations à toi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Je sais qu'il y a eu le Covid, mais qu'est-ce qui s'est passé juste après, musicalement, de ton côté, Sam Tellis? Oui, depuis novembre 2019, oh oui, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu certes le confinement, donc avec la crise sanitaire, mais entre-temps, j'ai fait des choses. On a par exemple tourné deux clips, et j'en suis au troisième actuellement. Donc le premier, c'était Congo Boleros, qui a eu aussi un énorme succès, qui a été bien accueilli par les mélomanes. Puis, on a sorti le clip Congo Émergent. Voilà, il fallait faire honneur au pays, donc un clip aussi qui a eu pas mal de succès, a eu beaucoup de beaux retours, et qui continue à passer d'ailleurs actuellement sur Télé Congo, lors d'événements. Après, il y a eu donc la Sassa de Brazza, d'ailleurs raison pour laquelle nous allons en parler tout à l'heure, puis c'est le tout dernier, et actuellement en tout cas il fait le buzz, et c'est plutôt tant mieux. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Sam Tellis est notre invité, donc Sam Tellis, on va parler de ton clip dans quelques instants. Mais comment se comporte ton album Symbiose sur le marché du disque français, international et chez toi au Congo? Comment se comporte ton album Symbiose, Sam Tellis? L'album se porte très bien, se comporte bien. Il y a pas mal de téléchargements. Nous avons toujours au niveau de nos points de vente la Fnac de Brazza, à Pointe-Noire aussi on a un petit stock qui part tout doucement. Le problème, c'est que les gens ne découvrent les titres que quand ils ont vu des images, quand ils ont vu un clip. Donc c'est pour ça que je mets le paquet sur les clips, pour que les gens, en écoutant, en regardant les images, ben, ils se tournent vers l'album, ils vont chercher l'album. Voilà. Laissez-moi analyser. Sam Tellis est notre invité. Gros clin d'œil à l'instant, grand frère à Bax Moussa, souvenir de Paris. Sam Tellis, on va parler donc de ton nouveau clip en ce moment qui a un énorme succès comme tes précédents clips. Donc ton titre Salsa de Brazza, très beau titre et un clip bien réalisé ici à Paris avec les sapeurs de Paris, c'est exceptionnel. Et je salue en passant le réalisateur de ce clip, c'est l'un des grands réalisateurs sur le territoire français, il s'appelle Quentin Brown Touch. Excellent week-end à toi. Et donc Sam Tellis, raconte-nous déjà comment est né ce titre Salsa de Brazza, combien est donc ces très belles galettes, Sam Tellis, raconte-nous un peu.
Ah oui, je suis toujours en fait dans mon style habituel, c'est-à-dire celui des medley. Et donc pour cet album Symbiose, j'avais voulu un medley de salsa parce que dans la musique congolaise, on a fait de la salsa. Les Essou, les Nganga Edo, les José Missamou ont fait de la salsa. Donc je voulais remettre les titres qui ont été composés à l'époque, donc au goût du jour, en faisant donc une version salsa moderne de tous ces titres. Donc il y a Maye, il y a les Franklin, les pardon, les Brazzavilloises de Franklin Bukaka, il y a Dimoninga de Lucie Yenga, Maye à des Bantous de la capitale. Bref, tous ces titres donc se retrouvent dans ce medley, et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs un gros succès auprès des connaisseurs de la musique, des fins connaisseurs de la musique congolaise, brazzavilloise en particulier. Et pour ce faire, justement, on a fait venir des vrais Brazzavillois, en tout cas les représentants de Brazzavillois à Paris, c'est-à-dire les sapeurs, donc Fulizioni, Monsieur M12, le blanc, le Congolais blanc, et puis elle-même la Moussoudiat, Huguette la Moussoudiat. Donc ils sont venus illuminer de leur aura, de leur charisme, le clip La Salsa de Brazza. Mueve la cintura, mamita, porque tú sabes que yo sí te quiero. Que no me dea, que no te alea, vamos a bailar en la coladera. Que no me dea, que no te alea, vamos a bailar en la coladera. Samtalis, dans quelques mois, ça sera la fin de cette année 2021. Et donc, toi, en tant qu'artiste, est-ce qu'il y a des shows qui seraient vus? Est-ce que tu vas présenter comme ça ton album au Mélomanes, ici sur la place de Paris, ceux de Brazzaville? Est-ce qu'il y a quelques dates prévues pour la fin de cette année, Samtalis? C'est vrai que le contact avec le public me manque aussi bien du côté du Congo qu'à Paris. J'y pense, c'est vrai, mais j'ai besoin d'aide, je ne peux pas, voilà, produire tout cela tout seul. Donc je fais appel aux mécènes qui peuvent m'aider à organiser un concert Brazza, Pointe Noire et peut-être Kinshasa, qui sait. Assa, Assinama, Misamu canta Mayeya, Willy te canta Mayeya, te lo digo. Samtali, artiste talentueux, mais je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Samtali, c'est une double casquette. Il est aussi médecin anesthésiste, exceptionnel. Samtali, en ce moment, il y a beaucoup de tes fans, il y a beaucoup ici en France qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils disent que le vaccin, c'est pas bon. Toi, en tant que médecin, en tant qu'anesthésiste, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport au vaccin, en tant que médecin, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu peux leur dire pour ceux qui ne veulent pas se vacciner? Mais moi, je rappelle que j'ai eu mes deux doses. Et donc, Samtali, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui ont peur de se faire vacciner? Samtelalis. Oui. Bon, écoutez, pour moi, il n'y a pas plusieurs choix. Si quelqu'un a une deuxième solution, qu'il me la donne. Moi, je sais que la seule solution, c'est se faire vacciner pour éviter de faire des formes graves. Et donc, voilà, la solution est claire. Je crois que on se rend bien compte depuis quelque temps que dans certains pays, la crise repart, et souvent c'est dans ces pays-là que les gens sont le moins vaccinés. Donc le choix est clair, il faut se faire vacciner. L'ambiance continue sur le top 12 intrinsèque chez Pli Français, votre humble serviteur en direct sur la chaîne des jeunes branchés chez Pli TV HD. Toi-même, tu connais, on est là 24 heures sur 24 sur le www.chezPliTVHD. Envoyez vos clips, la diffusion elle est gratuite. Samtalis, notre invité. Samtalis, on te pose une question. À part la musique de Samtalis, qu'est-ce que Samtalis écoute au quotidien dans son téléphone, à la maison, en famille, avec sa femme? Quelle est la musique et quel est le genre musical que Samtalis écoute chez lui au quotidien? Très Oui, éclectique, on je suis t'écoute. très Oui. éclectique. J'écoute vraiment de tout. Ça commence par le classique, le gospel, le rhythm and blues, pas le R&B. J'écoute du reggae, j'écoute de la salsa. C'est pour ça que cela transparaît sur mes albums, avec des ballades, du reggae. Finalement, j'écoute très peu la rumba. Mais si j'écoute la rumba, c'est la rumba d'époque, c'est la rumba ancienne. Et c'est pour ça que je la retranscris régulièrement sur mes albums. Voilà. Maye ya, Maye ya, oh Maye ya, Maye ya se lo bailo yo, Maye.
On est ensemble. Il est avec nous, Sam Telalis, donc en direct dans le top 12 international, je rappelle. Son nouveau single, Salsa de Brasé, disponible sur YouTube. Donc un single en ce moment que vous pouvez déguster en téléchargement légal et extrait de l'album Symbiose. Très bel album, toujours disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc Sam Telalis, et donc dans tes futurs projets, avec quel genre d'artiste, que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, sur le continent, avec quel genre d'artiste tu souhaiterais collaborer dans tes futurs albums ou dans tes futurs singles, Sam Telalis? Oh, je crois que je vais avoir l'embarras du choix. Il y a tellement de talent dans ce pays, mais je vois l'éclosion de Sam Samurai. Moi, j'aurais bien aimé faire un petit duo avec lui, essayer de trouver la formule pour que nous puissions nous accorder. Roga aussi, j'aurais bien aimé vraiment faire un duo avec lui. Sam Telalis, donc on est très heureux d'être avec toi. Dans quelques instants, on va se dire au revoir. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire à tous les fans, à tous ceux qui te soutiennent de loin de près, qui nous suivent en ce moment dans le top 12 international en octobre 2021? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je suis vraiment très très pressé de vous retrouver. Là, ça a été un bonheur évidemment de discuter avec Chepi et donc de vous savoir nombreux devant vos écrans. Écoutez, l'album Symbiose est là, Sam Telalis aussi, donc on repart dans la promo et très très bientôt, il y aura sûrement des dates pour que nous retrouvions sur scène, pour essayer de célébrer les titres Symbiose, les titres de l'album Symbiose et puis les autres évidemment. Nous sommes le week-end dans le top 12 international. Sam Telalis, quelques dédicaces en tant que bon Congolais, ça fait du bien pour ceux qui sont toujours avec toi, ceux qui te soutiennent, ceux qui t'accompagnent. Quelques clins d'œil, ça fait du bien. On t'écoute, Sam Telalis. Oui. Je vais dire merci vraiment à tous ceux qui me soutiennent, en commençant par ma famille, ma chère et tendre, qui est toujours là derrière moi, qui est toujours là pour me soutenir. Il y a également Benoît Tamtam, il y a Rosie Makosso à Pointe-Noire, Zwanga bien, il se reconnaîtra. Et puis Chepi, évidemment, toi tu fais tellement de travail derrière tout ça, surtout pour l'album Symbiose, je te remercie infiniment. Et puis évidemment, tous ceux dont je n'ai peut-être pas cité les noms, mais qui se reconnaîtront, vraiment ils ont mes remerciements et j'espère très vite sur scène avec ce petit monde. Merci. On était très heureux de te retrouver une fois de plus en interview en octobre 2021. C'est toujours un bonheur donc de discuter avec toi, de partager avec toi. Sam Telalis, merci énormément à toi et à toute ton équipe. On va te retrouver très prochainement, peut-être sur le tournage de ton prochain clip. Je te souhaite bonne continuation et après de souci. Toi-même, tu sais, on est ensemble, Sam Telalis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et donc, on clôture cette interview avec ce dernier clip, cette galette, je rappelle, qui est disponible sur YouTube. Allez suivre ça régulièrement, partagez à vos amis sur les groupes WhatsApp, sur Facebook. C'est un gros clip qui fait la fierté du continent et du Congo Brazzaville. Ensuite, le dernier clip pour ceux qui l'ont jamais suivi, donc séance de rattrapage, Salsa de Brazza de Sam Telalis est maintenant dans le top 12 international. À tout de suite. Señoras y señores, damas y caballeros, ahora con ustedes el médico de la salsa, Sam Telalis.